Les bijoux de la Comédie-Française. Aujourd'hui, je vous emmène sur les grands boulevards à l'hôtel de Mercier-Argenteau. Classé monument historique et ouvert pour la première fois aux visites, on peut y voir en ce moment l'exposition gratuite « Bijoux de scène de la Comédie-Française » organisée par l'École des Arts Joailliers. Partenaire de la Comédie-Française, l'école présente des bijoux de scène portés par des comédiens emblématiques tels que Talma, Rachel et Sarah Bernard, retraçant l'histoire de ces ornements depuis le XVIIIe siècle. Cette exposition inclut des bijoux, tableaux, dessins et manuscrits, illustrant la splendeur de ces objets souvent fabriqués en matière non précieuse, mais avec un savoir-faire joaillier remarquable. Ces créations, bien qu'en cuivre, laiton, vertaillé ou étain, imitent parfaitement les pierres précieuses et les métaux nobles, répondant aux exigences de l'illusion théâtrale. Ces pièces portées par les plus grands acteurs jouent un rôle crucial au-delà de simples accessoires. L'exposition gratuite « Bijoux de scène de la Comédie-Française » est ouverte sur inscription jusqu'au 1er septembre. Retrouve toutes les infos en descriptif.